c'est TJ Balek pour Home Is Better. Alors sans plus attendre, aujourd'hui on est reparti avec un nouvel artiste, avec un nouveau titre. Et aujourd'hui on va parler de The Game. Yeah, this is how we do. Mais pas this is how we do, du titre Let's Ride ou Dirty. Yes, yes, yes. Alors dans le style, dans les styles, c'est de la West Coast Hip Hop, un petit peu de G-Funk et du gangsta rap surtout. Le single est évidemment sorti le 25 septembre 2006. Ah oui, 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 ça commence à faire un petit peu. Et il est sorti donc sur l'album de The Game, Doctor's Advocate. Voilà les amis. Alors, pour les petites anecdotes maintenant, c'est parti tout de suite. Qu'avons-nous donc pour les anecdotes, les petits loulous? Il faut savoir en premier lieu que le célèbre beatmaker Scott Storch, qui a aussi coproduit Still Dre pour Snoop Dogg et Dre, avec Dr. Dre, a également participé à l'élaboration de ce morceau, donc du morceau Let's Ride de The Game. Le titre a été enregistré à Miami en Floride, mais ressemble plus, comme vous l'aurez remarqué, à un son West Coast à la Dr. Dre. Il fait d'ailleurs référence au même docteur avec sa track sortie en 1993 intitulée Let Me Ride. Il y a également un remix de ce titre non officiel qui est sorti avec notamment Ice Cube, Snoop Dogg, Exhibit, rien que ça. Ça fait plaisir, c'est mythique direct. Snoop fait également un caméo dans le clip du morceau. Et enfin, donc il faut savoir aussi que le morceau, au début, est boudé par la critique, notamment pour sa pauvreté mélodique et son côté répétitif. Alors personnellement, moi j'ai adoré, mais bon, les avis divergent, c'est ce qui fait le débat. Voili voilou. Voili voilou les amis, c'était DJ Balek pour le jeudi 30 mai 2019. Comme d'habitude, donnez de la force, un max, pour qu'on ait un max de visibilité. Et moi, en attendant, je vous fais des bisous bisous, des love love, et on se retrouve mardi prochain les amis. Bisous bisous, love.